Parasha de la semaine, Noach. Et on n'a aucune idée qui c'est Noach, grandeur de Noach. La Torah de Noach, Matzachen Bene Hashem. On se rend compte que ça veut dire Matzachen Bene Hashem. A trouvé la grâce devant les yeux de Hashem. C'est la seule personne sur laquelle il y a marqué dans la Torah un terme pareil. Sinon, les seuls sur lesquels on trouve à peu près quelque chose pareil, c'est les Klal Israël dans les livres Yirmiyahu, Matzachen Bamidbar. Là, on parle de l'ensemble d'Israël. Et Bamidbar. En fait, si on réfléchit, c'est presque la même chose. Parce que Noach, il se trouvait dans un midbar, dans un désert. Noach, il se trouvait dans un monde désertique. Dans un monde dans lequel il est la dernière personne qui se comporte encore correctement. Lui et sa famille. Matzachen Meine Hashem. En Mishnah, on dit Asara Dorot Madam Vad Noach. Asara Dorot Mi Noach Vad Avraham. Vous voyez bien que la parasha Bereshit, elle commence avec Adam, elle se termine avec Noach. Noach commence avec Noach, elle se termine avec Avraham. C'est-à-dire que tous les 10 générations. Mais avant Noach, il ne compte pas. C'est Adam ad Noach. Les 10 générations, ils n'ont pas de nom. Allah Hashem. Avokayamim. Ils n'existaient pas. Tous les yichus, tous les liens de ces Asara Dorot, c'est quoi, qui se trouvent entre Adam et Noach. Et tous les Dorot entre Noach et Abraham, leur importance, c'est quoi, qui sont entre Noach et Abraham. D'accord. Après ça, ils ne méritent pas. Qui vont les retraiter. Ils n'ont aucune personnalité à eux. Ils n'ont aucune existence indépendante. Mais Noach, c'est quelque chose. Noach lui-même. « Vegam et Noach be'ahava zacharta » comme ça on dit dans la tefila de Rosh Hashanah. « Shmalchuyot zichronot v'shofarot »« Vegam et Noach be'ahava zacharta » on dit compte « be'ahava » parle de l'amour côté d'Akadosh Baruch Hu vers Noach. On parle toujours de l'amour de Hachem vers Israël. Ouais. Mais l'amour vers Noach, c'est unique. Et aussi, les enfants de Noach, Shem, Ham, Yafet. Je ne me rappelle pas si on a parlé une fois de l'enseignement de l'Arizal. Même si oui, on va faire un petit Hazara. Sefer Bereshit a marqué Perek Bet Pasuk Dalet. Eile toldot Hashamayim ve'aretz bi'ibaram. Beyom asot Hashem Elokim Eretz v'shamayim. Donc voici, on va nous raconter maintenant Toldot Hashamayim ve'aretz v'ibaram. Un peu l'historique des cieux et de la terre. Tout le Midrash, que l'on a dit, Behibaram, otiyot be'avraham. Marqué dans le Midrash, pas dans le Balatourim. Le Midrash, il dit, Behibaram veut dire be'avraham. Et be'avraham, perusho, bishvil avraham. Bishvil Avraham Nivra Olam. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a eu devant ses yeux l'image de qui? L'image d'Avraham. Il savait qu'Ibriat Olam, elle est faite dans le but d'arriver, en fin de compte, à Avraham. C'est ça qui était intéressant. On s'est marqué dans le Midrash ici sur place. Midrash Rabba Parshayut. Suite à cela, il y a marqué.
וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. שיח זה דביסון, זה קרואה. לא? דזרביסט. וכל עשב השדה טרם יצמח, חפת ורדיר. כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ. ואדם אין לעבוד את האדמה. דונק. יפה דזרב, יפה דזרביסט, יפה דריאן. כיפוס. כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ. פסקי יפה לפלו כי תומב סור לטר. ואדם אין לעבוד את האדמה. יפה פרסון. pour travailler la terre. Donc, autrement dit, pourquoi il n'y a rien qui pousse? Parce qu'il n'y a pas de pluie. Et pourquoi il n'y a pas de pluie? Parce qu'il n'y a personne pour travailler la terre. Alors, il y a dans Rashi quelque chose de très intéressant qu'il faut toujours avoir face aux yeux. Rashi, il dit « Vadam ha'in lavod et adama ». Et ça veut dire « Vadam ha'in lavod et adama ». Est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu? Il n'a pas créé dans le monde des forêts, des jungles énormes qui poussent sans que quelqu'un il s'occupe. J'ai entendu parler des forêts qu'il y a au Brésil, en Afrique, des millions et des millions d'arbres qui poussent très très bien sans qu'un être humain il a mis son doigt là-dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué ici ? Chol se chassadé teremi. Chol se chassadé teremi tzmach. כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ. למה? ואדם אין. ואם אין אדם אז מה? יד השם תקצה, הקדוש ברוך הוא, אל תפאפר ז'רדיניה שיפו. וזה לקושיא דה רשי. אבל רשי די כשוס כפוז'ה מאובליה, רשי די, ואדם אין. אז מה יש עם אדם אין? ומתן לא ימטיר לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתם שהם גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם, וירדו וצמחו האילנות והדשאים. שני דברים כתוב פה ברשי, שאסור לשכוח. דשוס, כיפה פה בליה. אן, כושבוכו ילדן, קונדלות קוטי יד לרוקו מסוס. אם אין מי שמכיר בטובתם של גשמים, סי הפרסון, פור עבור לרוקו נסוס, ססר הריין דדנה. דה, כושבוכו ילדן, קונטוני מתפלל. קונטונפי לתפילות. Si on fait des prières, c'est là que Kadosh Baruch Hu il donne. Kadosh Baruch Hu il attend nos prières. Il ne faut jamais dire ah, à quoi ça sert, j'ai prié encore, qui je suis pour qu'Hachem va m'écouter. Mes prières sont sur des besoins pas tellement importants. C'est faux. Kadosh Baruch Hu il attend les tfilotes de chacun de nous. Et quand on fait la tfila, Kadosh Baruch Hu nous écoute. Et même s'il n'y a pas une réponse immédiate, הגמרא דיד דג'א, מה יעשה אדם? התפלל ולא נענה, אלפי פריאר, אלפי יותר רפונדו, יחזור והתפלל. פה פריאר דג'א מפואה, שפה קומפליקה. כמו? לא ברכות. עמוד ב' לאור, לדף הוא זה לשרשי תוסף. שכן, לא תחווה יפנו. אבל רבותיי, שכי המכה, encore avant dans Rashi, en makir betovatam sur le chemin. Toute la création, le monde en entier, il est basé sur ça qui s'appelle akarat atov. Ça veut dire la reconnaissance. Celui qui a de la reconnaissance, il fait partie de Briat Haolam, de Seder Haolam. Celui qui n'a pas de la reconnaissance, il est exclu de Briat Haolam. Kadosh Baruch Hu, il veut rien donner, il n'a pas l'envie de donner s'il n'y a pas de la reconnaissance en face. Reconnaissance, c'est un sujet pour ça, c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui, mais on ne peut pas passer à côté d'un rachis pareil sans lui citer. S'il est très douloureux, la reconnaissance. Bechol Ofen, la Rizal il dit kacha. Bechol siach asadeh terem itzmach. Siach, c'est shin yud chet, rachet evod, kamovan, shem yefet chab. C'est évident. Donc, on a parlé de ça? Non. Vechol siach hasadeh terem yeh. Siach, c'est Rashi Tevot, Shem Yefet Ham. Pourquoi ce n'est pas à l'ordre? C'est un autre problème, je ne vais pas parler de ça maintenant. Le problème, elle est qu'il n'y a pas encore Shem Yefet Vecham.
וכל עשב השדה טרם יצמח, ירן כי פוס. כי אלוהים תירשם אלוקים על הארץ, פסקיה ופעם קור למבול. חוסה דילה רזה. וכלי דילוז, נפתום באוקו. ממילא, ואדם אין לעבוד את האדמה. אז כאילו אין אדם, אין כלום. יסוד לאריזה לכאורה, למבול, זה כקשוז, כי לכלכי פער, פוזיטיב. וכי הוא נתון מוזיסט להריבה דקי, דשם חם יפת. וכאן תאי שרון לה, אלה מבול יבא תומבה, נוק לה, טוב הרשב ין כמו יפה. לכאורה, זה סקי המרכה איסית, דפרי, לשוז, כי לאריזה נוזה דקובר. Alors bien sûr, il s'agit des choses très élevées, et l'Arizal y parle ensuite des secrets de la Kabbalah que je ne comprends pas du tout, donc ça ne sert à rien que je dirais des choses que je ne comprends pas. Donc je m'arrête ici, j'essaie juste cet enseignement, et je vais vous dire qu'est-ce qui a marqué là-dessus, à peu près dans le Beit Yaakov. Et pour comprendre mieux ce qu'il dit le Beit Yaakov, peut-être je vais vous dire un Dvar Torah, qu'il a l'air d'être tiré par les cheveux, qui était dit par un Adam Gadol Meod qui s'appelait le Magid de Kozhnitz, Rabbi Israël de Kozhnitz. Rabbi Israël de Kozhnitz était Adam Gadol Meod, Betorah ou Bigra ou Bechassidut. Parmi ses élèves, il y avait Gdolé Yola. Il a vécu à peu près au même époque que Baal HaTanya. Il a écrit beaucoup de livres, Beniglé ou Benustar. Alors, dans un de ses livres, il y a marqué un Dvar Torah. C'est un passage de Tehillim. Il y a un Hashem, El Yireav, l'Atsilam, Beliti. Il y a un Hashem, El Yireav, l'Atsilam. Hein? Kod Saratam. Donc, il n'est un Hachem et les Réav, la Tzilam. L'œil d'Hachem, elle est toujours orientée vers ceux qui craignent lui pour leur sauver. Hein? La Tzilam est avec Nafsham, mon nom. La Tzilam est avec Nafsham. C'est marqué aussi. La Tzilam est avec Nafsham. Alors, le Magid de Kozhnitz, il a dit la Tzilam est avec Nafsham, pour Shokacha. On prend le mot Mavet. D'accord? Mavet veut dire la mort. On met là-dedans un Aïn. Aïn qui veut dire quoi? L'œil. Et la lettre Aïn. Alors quand on fait comme ça, on fait Mavet, et on met là-dedans un Aïn, ça va faire quoi? Ma'ot. Qu'est-ce que c'est Ma'ot? De l'argent. Autrement dit, une personne était condamnée à mort, s'il a fait tchouva, s'il fait ce qu'il faut faire, les mavet, il devient quoi, hein? Ma'ot. C'est pas seulement qu'il n'est pas mort, elle a amélioré sa situation économique. Ça a l'air d'être vraiment dans l'air. Alors d'abord, il faut savoir qu'il amène là-dessus une gemara, qui est une gemara dans Masechet Taanit, peut-être ça vaut le coup qu'on va la lire vite fait. Donc c'est une gemara dans Taanit d'Afret, Amud Bet. On va marquer kacha. Bimei Rab Shmuel Bar Nachmani ave kafna umutna. À l'époque de Rabbi Shmuel Bar Nachmani, ils sont arrivés des catastrophes. Kafna, qui veut dire la famine, umutna, vient une épidémie. Les gens, ils mouraient. Amri Eichinavi, les gens ils s'est mis à réfléchir et ils disaient qu'est-ce qu'on fait? Nibai Rachmi Atarti Loefsha. Ça c'est très intéressant, c'est Yesod qui est marqué ici dans la main. On ne peut pas demander à la fois sur des choses. Quand on a des problèmes, il faut se décider sur lesquels on prie d'abord pour la régler. Une fois que c'est réglé, on va prier sur les désirs. Mais on ne fait pas deux à la fois. On n'est pas des grossistes, et à Kadosh Baruch Hu, il ne reçoit pas des commandes par multiplier. On ne peut pas demander Rachmim sur des. Et là, alors qu'est-ce qu'il faut faire?
Libai rachme amotna. Ve kafna nisbol. Qu'est-ce qui est pire, de mourir ou d'avoir faim? De mourir. Donc on va faire des tfilos pour ne pas mourir, et on va rester affamé. Ça va. Amar le Rabsuel ou Anachmani, il a dit Rabsuel ou Anachmani, vous vous trompez. Nibai rachme a kafna. On va aller faire des jours de prière pour que la famine va s'arrêter. Azma. Vechi yaiv rachmana souva. Donc Akadosh Baruch Hu va nous écouter. Ce qu'on vient de voir, hein, quand on fait des tfilot, Akadosh Baruch Hu fait tomber la pluie. Donc il va nous écouter. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Alors, il va nous écouter, il va nous donner quoi? De la nourriture. On deviendra riche. On aura tout ce qu'il faut. Alors maintenant, si on va continuer à mourir, cette richesse, elle est pour qui? Si les gens continuent à mourir, la richesse, elle est là pour rien. Donc Akadosh Baruch Hu, il va se trouver coincé, entre guillemets, et il sera obligé de faire quoi? D'arrêter aussi l'épidémie. Dechi yaiv rachmana souva, quand Akadosh Baruch Hu, il donne sova, l'abondance, le chaye yu de yaiv, il le donne à qui? Aux gens vivants. Dechi, poteach et yadecha, umasbia lechol chay ratson. Parce que les meitim, les morts, ils n'ont pas besoin de quoi? De poteach et yadecha. C'est pas la peine. Ils ne mangent pas. Donc si on va demander à Kadosh Baruch Hu de l'abondance, on a gagné les deux, à la fois. Voilà qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Betzem, c'est ça l'idée de Magid de Kozhnitz. Quand quelqu'un il est condamné à mort, oui, et il fait tchouva bien comme il faut, et il démonte bien comme il faut, ça se transmet au quoi? Au ma'ot. Ma'ot qui veut dire de l'argent. L'argent qui veut dire quoi? La richesse. Et voici à ce moment-là, quand maintenant il est décrété de posséder de la richesse, automatiquement il est aussi décrété d'être sauvé de la mort, parce que ça marche ensemble. On est d'accord? Donc, il est Ein Hashem et les Réav, Ein Hashem Zema, c'est Ein, la lettre Ein, qu'elle fait quoi? Qu'elle se place entre les Mem et les Vav, et des Mavet, ça devient Maot. Bon, on a vu dans la Gemara, il y a une source. C'est bon, il n'y a pas de problème, il y a une source, mais maintenant il faut quand même comprendre le système. Alors d'abord, je vais vous expliquer une chose par rapport au Aïn. J'ai dit un mot la semaine dernière très vite là-dessus. Je vais revenir là-dessus encore une fois très vite. Vous vous rappelez tout ce qu'Adam Arishon, il était censé de vivre combien de temps? 1000 ans. 70 ans a été enlevé, a été offert à qui? À David HaMelech. Sur David HaMelech, on trouve David HaMelech Israël Chai Vekayam. Ça, c'est les 70 ans qui font la valeur numérique de combien? Aïm, qui était donné à qui? À David, sur lesquels on dit Chai Vekayam. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, à l'époque, il a pensé qu'il est perdant parce qu'il a perdu à la place de vivre 1000 ans, il a offert 70 ans à qui? Au David. Mais en vérité, Adam Arishon, c'est Biyom Achol Chamimenu Motamut, il était condamné à mort. Et s'il reste d'Adam Arishon quelque chose qu'il est vivant pour toujours, qu'il est toujours là, c'est qui? C'est David sur lequel on dit David Melech Israël Chai Vekayam. Donc, c'est les 70 ans qui étaient offerts à David qui lui donnent la vie éternelle à qui? Adam Arishon. De même, il faut savoir que si quelqu'un ne veut pas mourir, il faut qu'il saura bien gérer ses marottes, bien gérer son argent. Il y a des gens qui meurent avec beaucoup d'argent, vous savez, vous avez entendu parler certainement, non? Je ne dis pas qu'il faut mourir pauvre, je n'ai pas dit ça. Mais de mourir avec son argent, c'est très dommage. Il vaut mieux de savoir gérer son argent autrement, pour que quand on meurt, on vient avec l'argent là-haut, et pas qu'il reste en bas. Ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de Chofetz Chaim. Et l'idée de Chofetz Chaim, elle est basée sur l'histoire de Moun Baz HaMelech, qu'il est bien raconté dans la Gemara. Moi, il raconte que Moun Baz HaMelech, c'était un converti, vous savez. C'était un prince goy, qui était nommé roi, il s'est converti au judaïsme. Je déteste ce mot. Et on dirait que c'était un métier. Et donc, ensuite, il s'est converti, il est devenu juif, et il a commencé à dépenser les trésors qu'ils ont mis ses ancêtres chez eux depuis des générations et des générations. Il y avait des années de famine, justement, donc il dépense. Et bah, sauf, il reste presque rien du tout.
Alors, toute la famille des Goïm, ils ont sauté sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nos ancêtres, ils ont gardé des générations en générations, et toi, tu as des trous entre les doigts, tout coule. C'est quoi ça? Il a dit, qu'est-ce qu'ils faisaient nos ancêtres? Ils ont dit, ils ont bien investi, ils ont bien mis de côté. Il a dit, mais moi j'investis mieux que, je mets de côté encore mieux que. L'argent que j'investis, moi, il se trouve quelque part où personne ne pourra toucher. Il n'y a pas d'inflation. On ne change pas des francs quand l'euro ou des euros, dollars ou des dollars ou yen. Ça ne bouge pas. Les placements, elle est bien placée et elle est protégée éternellement. Avotai Ganzu, le matin. Mes ancêtres, ils ont fait leur coffre où? En bas. Veani Ganazti, le malin. Et moi, j'ai caché mon argent où? Là-haut. Donc, l'idée, elle est qu'il est marot. Comme on a dit, c'est la parnassa d'un côté, mais c'est aussi de savoir comment se servir de ces marottes de l'autre côté. Parce que des fois, quand on se sert de ces marottes bien comme il faut, alors c'est marqué dans Michelet, « Utsdaka tatsil mimavet ». On ne se rend pas compte, mais c'est kipshuto. « Utsdaka tatsil mimavet », c'est kipshuto. Quand on fait de la tzedaka, quand on fait des chesed, ça peut sauver de la mort. Donc les marottes, les haïn des marottes, c'est les haïn Hashem, qui elle est là justement pour des fois couper la mort. Ça se transmet aux maotes, et les maotes y font qu'il n'y a pas de mavette. Kolpanim, je reviens ici. Les maotes. Donc moi on parle dans Baba Metzia de quelque chose qui s'appelle Dvarim et maotes. Yesh Dvarim et Yesh maotes. Dvarim, c'est quand des hommes d'affaires, ils parlent entre eux, ils projettent une affaire. Donc ils montent les dossiers ensemble. Moi je donne ça, toi tu donnes ça, moi je paye ça. Un jour, un des deux, il revient en arrière, il regrette. Bon, des choses qui arrivent dans le monde des affaires. Des fois, c'est encore pire. Hein. La personne, il donnait déjà un acompte. Mais après, il décide, il change son avis, il décide de reculer de l'affaire. Moi, dis là-dessus, Kacha. Quand il y a les dés, ça veut dire, il y a des paroles qui étaient échangées entre les dés, il y a des maotes qui étaient données. La Gemara, c'est sur le même terme, hein, maotes. Maotes qui veut dire de l'argent. Il y a de l'argent qui était donné, il y a des paroles qui étaient échangées entre les dés, et l'argent qui l'a changé de main, et après, la personne, il est revenu en arrière. Dis la Gemara, Miché para, midora maboul, ou il para, mais Miché machlif bedibou. C'est-à-dire qu'il a puni la génération des Maboul, il va punir aussi cette personne qui n'a pas respecté son parole. Essayez quand même d'être avec moi, parce que ça a l'air d'être pas lié du tout, mais c'est lié quand même. Il faut savoir qu'il bémet, quand l'agma parle des maotes, mais derrière klal, maotes, ce n'est pas des grosses sommes. Hein. Maotes, c'est des pièces. Donc c'est un peu étonnant que quand l'agma parle de deux hommes d'affaires qui un d'eux rompt l'affaire, on dit qu'il a donné maotes. On n'est pas des enfants, quoi. On donne des petites pièces. Quand on fait une affaire, on est des hommes d'affaires, on fait des affaires, hein. Des affaires importantes. Donc, il faut parler de kesef le fachot. Le terme devait être normalement quoi? Kesef, il manque kesef, il manque quoi? Il manque maot. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose qui, je pense qu'il est très profond, qui est marqué dans le Beit Yaakov, à sa façon, je l'ai dit à ma façon. Si je n'ai pas compris ce qu'il dit, c'est de ma faute. Kadosh Baruch Hu, il a créé Adam Harishon. יש עשר דורות מנוח ועד אברהם, נכון? בעשר דורות האלה, דורסי די ג'נרציון, יווה דיבור. דיבור, זה כבר, זה עשרה מאמרות. העולם נברא בעשרה מאמרות. והוא רפלס, זה מרקד עולם משנה דונבות. העולם נברא בעשרה מאמרות. למה נברא בעשרה מאמרות? זה לקשטיון למשנה. קסקל רפון למשנה. ליתן שכר טוב לצדיקים, ופורענות לרשעים שמאבדים את העולם, שנברא בעשרה מאמרות.
Kadosh Baruch Hu, il a créé les mondes. Et dans cette création des mondes, il y avait un acte de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et l'acte, elle s'est arrêtée quand Akadosh Baruch Hu, il a dit stop. Vous vous rappelez, on a vu ensemble cette Gemara dans Chagiga daf Yud Bet. Aya olam mitrache veolech keshtei pkaot shel shti. Donc comme des boules de linge, ça avance. Et pas des linges, des laines. Ça avance, ça avance, ça avance. À un moment, Akadosh Baruch Hu, il dit stop, on s'arrête là. Et le monde dit s'est arrêté. Et ça, c'est le Shem Shin Dalet Yud. Chez Amar le Olamo Dai. Il a dit au monde stop. On s'arrête. Alors, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il avait 10 paroles. Et les 10 paroles, elle s'est arrêtée avec quoi? Avec Gihara. Il a grondé le monde. Il lui a dit stop. On s'arrête là. A priori, c'était pas assez. C'était pas assez. C'était pas assez pourquoi? Parce qu'on voit bien que les 10 premières générations entre Adam et Noah, c'était pas à l'auteur. C'était d'un côté des gens qui avaient énormément de qualités, énormément de puissance, énormément d'intelligence. On a parlé les années précédentes des histoires que la Gemara racontait, des choses extraordinaires. Mais il s'est comporté grave. Vatishachet haaretz, il y a marqué dans la parasha de la semaine. Vatimale haaretz, Hamas. Les gens, ils ont volé, les gens, ils se comportaient mal un vers l'autre. Chachamim nous dit, Rashi, la mensa, lo nechtam gzardinam, ela, à la gezel. Ils faisaient n'importe quoi. On raconte dans le Midrashim, ils sont allés voir des commerçants comme ça, ici dans la rue. Oui, est-ce que je peux goûter? Ils goûtent, non, ça ne me plaît pas. Ils vont chez les deuxièmes, ils goûtent, non, ça ne me plaît pas. N'importe quoi. N'importe quoi dans le sens de... Chacun, il embête l'autre. C'est plus des repères de tout. C'était un monde de hashrata, un monde de destruction. Rien de positif. Batimalea Aretz Hamas, c'est-à-dire que la terre, elle était déjà pleine avec ces microbes de Hamas. C'est pour ça qu'il a marqué qu'il est Maboul, il a aussi détruit la terre. Trois tfachim, c'est la voûte, hein. Les trois tfachim de la terre ont été fondus dans l'eau parce qu'ils étaient tellement absorbés par la méchanceté, par les comportements tordus à Est, que si la terre elle aurait resté là, même après le déluge, les autres qui restaient vivants, ils auraient recommencé à être influencés par ces microbes spirituels qui restaient dans la terre. C'est-à-dire quoi? Que ces premières 10 générations, ils ont entendu les paroles, il y avait des varim, il y avait des dibourim, les dibourim qui venaient des côtés de qui? D'Akadosh Baruch Hu, mais les dibourim, malheureusement, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu ensuite? Il a fait tomber le Maboul. Il a tout détruit. Ce qui restait, Shem, Ham, Yefet, Noir, c'est eux qui ont eu la première fois une vraie scolarité à payer. Et ils ont passé par une pénition incroyable. Et même si ils ont resté en entier dans la Teva, ils n'étaient pas touchés personnellement. Mais je ne sais pas si on se rend compte, si on essaye de se mettre. M'a tombé dans la main, je veux dire, c'est pas joli de dire, mais je vais le dire quand même. M'a tombé dans la main une interview avec un chef de cuisine. Je ne m'intéresse pas du tout de la gourmandise, mais ma séchaya kachaya, voilà. Alors, c'est quelqu'un qui a plusieurs restaurants. Il a ouvert à droite et à gauche. Alors il a expliqué pourquoi ça. Il a dit, je me trouvais chez moi dans ce restaurant. J'ai bien travaillé, j'ai bien gagné, mais j'ai senti une phobie. Voilà, j'étais enfermé tout le temps dans la même cuisine. Donc je me dis, c'est IFCHAR, c'est pas possible. Donc je dois ouvrir un deuxième. Alors après, il a jonglé entre les deux. Et après, il a terminé par avoir une phobie, parce qu'il est tout le temps enfermé, ou bien dans cette cuisine, ou bien dans l'autre cuisine. Aujourd'hui, il est déjà dans la 21e restaurant qu'il est en train d'ouvrir. Et je crois que la phobie, elle continue. Vous voyez? Alors, maintenant, je ne sais pas si on peut se rendre compte de la phobie des Noirs, Shem, Ham, Yefet et leurs femmes,
d'être enfermé dans une teva qui ne fait vraiment pas énorme, parce que 300 amas, ça nous amène à combien de mètres? Hein? 150 mètres. 150 mètres, c'est vraiment pas énorme, hein, 150 mètres. Et là-dedans, il se trouve aussi, vous vous rappelez, quelques milliers de bêtes et des animaux et des oiseaux et des insectes et des reptiles, et y compris les démons. Et tout ça est à côté d'eux, ils sont enfermés là-dedans combien de temps? Une année. Une année. Entier. Et pas une année lunaire, hein, une année solaire. D'être enfermé comme ça, et d'entendre tout le temps la pluie qui tombe d'en haut, d'accord, et de ne pas avoir de la lumière correcte, parce qu'il n'y avait pas de soleil et de la lune pendant toute cette année-là, et de savoir que le monde extérieur, il est maintenant quoi? Détruit. Il peut devenir fou de ça, mais facilement. Il dit le Beit Yaakov, vous savez qu'est-ce que c'est Ma'ot? Ma'ot, c'est une relation Hamou Me'ay Lo. Me'ayim, vous savez qu'est-ce que c'est Me'ayim, les entrailles. Hamou Me'ay Lo. Me'ay, c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur des corps. Quand on tape quelqu'un, ça ne sert à rien. Vous savez quand est-ce que ça sert? Si la douleur qu'ils sentent, des coups qu'on lui a donnés à l'extérieur, arrive à pénétrer où? À l'intérieur. Dans les Me'ayim. Une expression dans la Gemara Pile Ploim. Rami Reish Lakish Alma Ohi Bei Midrasha. Rami Reish Lakish Alma Ohi Bei Midrasha. C'est au début des Zvachim, je crois, d'Avzaïn. Reish Lakish, il était au Bet Midrash. Reish Lakish, le beau-frère, le collègue de Rabbi Yochanan. L'élève de Rabbi Yochanan. Il était au Bet Midrash Alma Ohi. Sur ses entrailles. Qu'est-ce que ça veut dire de se trouver au Bet Midrash? Sur ses entrailles. Il y en a qui veulent dire qu'il était allongé par terre sur les ventres parce qu'il avait mal au ventre. Et quand même, il a continué à étudier. Ça me va très bien, hein. Ça doit être comme ça. Rambam dit, Bilchot Talmud Torah, Kol Adam Israël, Chayav Bet Talmud Torah. Donc, Rami Reish Lakish al Ma'oi Be Midrash, ça veut dire que pour lui, l'étude de Bet Midrash, ce n'était pas quelque chose qui était fait extérieurement. L'étude de Bet Midrash, c'est quelque chose qui était fait intérieurement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui l'a touché en yiddish. On l'a dit, mais celui qui ne comprend pas l'yiddish, il ne saura pas. J'ai soupçon que je n'ai pas beaucoup de collègues ici. Mais en yiddish, ça dit, ça rentre au kishke. Ça veut dire, ça rentre jusqu'à l'intérieur des entrailles. Pardon? Très bien, alors ça tombe bien. Donc, Reish Lakish, il était à Mahoï Be Midrash. Pour lui, Bet Midrash, ce n'était pas une occupation. Ce n'est pas un métier d'être, je sais pas, on demande quelqu'un que tu fais, je suis au Kollel. Bon, c'est très bien d'être au Kollel. Mais il faut que le Kollel, ce n'est pas toi que tu dois te trouver au Kollel, c'est le Kollel qui doit te trouver chez toi, à l'intérieur de toi. J'ai dit la semaine dernière au Shiur de Dafiomi, la Gemara a dit que tout le monde connaisse. Impagia abecha menuvalze, moshreu le Bet Midrash. Tu as rencontré le menuval, le Yetzerara, tu dois l'amener au Bet Midrash. Donc, prends ta Gemara et va au Bet Midrash. Il a demandé le rabbi des Satmer, Mazé, Mota Mashiach, on peut être au Bet Midrash toute la journée. C'était bien et beau si chaque fois quand Yetzerara nous attaque, on va quitter le bureau, on va aller au Bet Midrash. Mais franchement, on ne peut pas le faire tout le temps. On peut faire une heure par jour, 2 heures, 3 heures, mais il y a une limite à tout, non? Il a dit le rabbin Misatmer, il faut porter le Bet Midrash au bureau. Le Bet Midrash doit se trouver à l'intérieur. Le Bet Midrash doit être chez toi. Et s'il est chez toi, le Yetzer Hara, il est bien éloigné. Amaoi, Maot, Hamou Me'ailo, tout ça c'est la même chose. C'est-à-dire, quand on a reçu un coup comme le Maboul, ouais, cette fois-ci on a déjà payé de les Maot, on a payé de l'argent. Et quand on a payé l'argent, on a fait notre scolarité, on a payé notre scolarité, à partir de maintenant, on se comporte autrement. Dvarim, ça ne suffit pas. Des fois, il faut recevoir des coups. Mais il y a des gens qui, même quand ils reçoivent des coups, ils n'apprennent pas la leçon. Ça, c'est Dvarim, vous vous rappelez les paroles, Ma'ot, on a dit l'argent. L'argent, c'est la scolarité. On a demandé pourquoi on appelle ça Ma'ot, et on a répondu parce que Ma'ot veut dire quoi? Me'aim. Ça veut dire que la leçon a bien pénétré ou qu'il doit pénétrer dans les entrailles.
il est intériorisé bien comme il faut. As Noach et ses enfants, ils ont bien appris la leçon. La preuve, on trouve après qu'ils ont construit les tours de Babel. Nous, on regarde la construction des tours de Babel comme quelque chose de très négatif, et c'était négatif. Mais il y a une chose qui est marquée là-bas dans le Rashi qu'il ne faut jamais oublier. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne les a pas détruits, il ne les a pas tués? Parce qu'ils ont même, quand même appris vivre ensemble. Ils ont quand même appris à vivre ensemble. Alors, le fait qu'ils ont appris à vivre ensemble, ça veut dire qu'ils ont appris la leçon de Maboul. Parce qu'avant les Maboul, c'était quoi? Vatishachet Aaretz, Vatimale Aaretz, Hamas. Les gens étaient méchants l'un avec l'autre. Les gens, ils n'arrivaient pas à s'entendre entre eux. Ils ne voulaient pas écouter un l'autre. Ils pensaient qu'à faire des mal un à l'autre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, la ville de Sodome, qui était une ville de méchanceté, elle était, oui, détruite. Pourquoi elle était détruite? Parce qu'elle, elle n'a pas appris la leçon de qui? De Dora Maboul. Où qu'il y a de la méchanceté, ça ne mérite pas d'exister. Très clair. Azmi, Shenatan, Damim, Vemarot. Et après, il a un homme de Vedibour, ça veut dire qu'il n'a pas la ma'ala de qui, qu'il n'a pas la qualité de qui, de dehors, à Maboul. Et c'est pour ça, Miche Para, Midor à Maboul, celui qui l'a puni les dehors à Maboul, il va punir aussi cette personne-là, qui l'a fait Dvarim, plus Ma'ot. Dvarim, c'est la Sarama à Ma'ot. Ma'ot, c'est la punition des dehors à Maboul qui a pénétré jusqu'à l'entraille de ces gens-là. Et il n'a pas appris la leçon, il n'a pas concrétisé ce qu'il a promis, donc il aura la punition de même. Donc je reviens au Arizal. Il n'y avait pas encore Shem, Yaf, Yafet et Ham. Qui l'a imti Hashem Elohim à la Haaretz. Malheureusement, tant qu'il n'y avait pas les Maboules, tant qu'il n'y avait pas les déluges, alors l'être humain, il n'a pas vraiment compris. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont vraiment pas compris. Quelle est la preuve en vérité qu'il noir qu'il a compris? J'ai amené la preuve des tours de Babel. En réalité, la preuve, elle est encore avant. Comme tout le monde sait, Shem, il a raconté à Eliezer, le fils d'Abraham, comment est-ce qu'il est dans la Teva, Eliezer l'Eved d'Abraham, comment est-ce qu'il est dans la Teva, ils n'ont pas dormi pratiquement toute l'année. Pourquoi? Parce qu'ils devaient s'occuper de nourrir tous les bêtes et les animaux qui étaient dans la Teva. Donc vous savez, les lions, ils mangent à telle heure, l'âne à une autre heure, les cigognes à une autre heure, les serpents à une autre heure. Mais Kitsour, ils devaient travailler 24 heures sur 24 heures. Et vous savez que les bêtes et les animaux, ils ne pardonnent pas. Quand on ne leur donne pas à manger, ils réagissent immédiatement. Ils commencent par de la cacophonie et ça se termine par pire que ça. Vaïcher, ach Noach, qu'est-ce qu'il amène Rachid Agmara? Noach, il était mordu par les lions. D'ailleurs, je vais vous dire en parenthèse, dans le Midrash Tanchuma a marqué Vaïcher, ach Noach. Noach, il était malade de froid. Il a fait froid. Donc il a tombé en rime, grippé. Comme ça, marqué dans le Midrash. Peut-être je vais vous expliquer ce qu'il veut dire le Midrash. A priori, c'est une contradiction. Une fois, on dit que c'est le lion qui l'a mordu, et une fois, on dit que c'était tout simplement une grippe. Olam Chesed Ibané, on a dit la semaine dernière. Le monde a été créé sur la base de Chesed. Quand les gens, ils ont rempli le monde de quoi? Des vols. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la base du monde a été démolie. Le monde, il n'est plus sur les bases sur lesquelles il était basé. La pierre de fondation du monde, elle n'est plus là. C'est terminé. C'est pas seulement qu'il n'y a pas de Chesed, il y a les anti-Chesed. Il y a les Vatishachet Aaretz, Vatimale Aaretz, Hamas. Tout le monde sont des voleurs, tout le monde ils font des mal à l'autre. Ils ne volent même pas. C'est de la méchanceté pour la méchanceté. Maintenant, Noach, quand il voit le monde se détruire, il a compris qu'il faut refonder le monde. Et pour refonder le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour refonder le monde, il faut reconstruire un monde de quoi? De Chesed. Qu'est-ce qu'il fait Noach? Pendant une année, lui et toute sa famille,
ils sont en train de faire quoi? De matin au soir et de soir au matin? Chesed. Ils reconstruisent le monde. Olam Mispar 2, Olam numéro 2. Le Olam numéro 1 d'Akadosh Baruch Hu, il était basé sur le Chesed. Akadosh Baruch Hu, il a construit le monde sur les bases de Chesed. Ça n'a pas marché. Et maintenant, Noach, il est en train de reconstruire le monde. Et cette reconstruction du monde, elle est aussi basée sur quoi? Sur le Chesed. En vérité, tout ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu quand il a construit le monde, c'est Chesed. Kadosh Baruch Hu, il a besoin de nous. On est des casse-pieds, nous. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous? Qu'est-ce qu'il a besoin de nourrir plus qu'un milliard de Chinois, dites-moi? Est-ce que à Kadosh Baruch Hu, ça lui manque? Il s'ennuie? Toute la création du monde, c'est Chesed. Il veut faire des biens. Naase Adam. Vaya Maase Hatzdaka. Il y a marqué dans l'Agdama des Zohar Kadosh. Naase Maase Hatzdaka. Asiat Adam, c'est Maase Hatzdaka. Sheshet Yeme Maase, ça veut dire quoi? Sheshet Yeme Hatzdaka. Les six jours de la création, ce sont six jours dans lesquels la Kadosh Baruch Hu fait des chesed. Il construit le monde pour qu'il devienne un monde parfait, dans lequel il ne manquera rien du tout. Dans le monde, il y a tout ce qu'il faut. C'est l'être humain qui détruit tout. Il y a les ozones, c'est parce que nous, on se sert trop des voitures, et des trop des avions, et des trop. C'est nous qui en abîmons trop. Il y a assez de l'eau, il y a assez de tout. C'est nous qui on fait la pollution, c'est nous qui on salit, c'est nous qui en abîme. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait chez Chitimea Maasé et le Pekab. Mais bien sûr, les tachlit de tout ça, de Sheshet Yemei Maase, de Tzedaka, de Chesed, c'est pour être amené en fin de compte au quoi? Au Shabbat. C'est-à-dire, le but, ce n'est pas la vie matérielle. C'est bien de faire de la Tzedaka et de nourrir et de donner, et on est là pour ça, mais en fin de compte, ça doit amener vers quoi? Beor Panecha, Natat Alanu, Torah Trahim, Vavat Chesed. L'Avat Chesed, elle est bien, elle est beau, c'est l'amène en fin de compte vers Torah Trahim. Avraham Avinu, il a fait énormément de Chesed. Mais ensuite, cette chesed, il l'a amené vers quoi? Vers le fait qu'il a converti des milliers de gens, comme c'est marqué dans les Rambam. Il a nourri les gens, après il leur a dit, venez, on va bénir. C'est lui qui a vraiment fourni la nourriture à vous et à moi. Parce que les gens, ils voulaient les remercier, comme tout le monde connaît le Midrash. Et il est toldot ha-shamayim ve-aretz be-hibaram. Be-hibaram dit le Midrash, botiot be-avraham. Kadosh Baruch Hu, il fait sheshet yemei ha-maase. Vaya Maase Hatzdaka. Et Abraham, il fait la même chose, Sheshet Yemei Maase, Maase Hatzdaka. Et en fin de compte, il arrive à ramener les gens vers où? Vers Shabbat. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch, mais Mashkinim al Hatzdaka be'erev Shabbat. Celui qui n'a pas donné Hatzdaka toute la semaine, on va lui forcer de le faire erev Shabbat, soyez pas peur. Donc, les moments pour celui qui n'a pas fait la Hatzdaka dans la semaine, c'est de le faire quand? Erev Shabbat. Parce que quand on arrive au Shabbat, il faut arriver avec un bagage. De même qu'Akadosh Baruch Hu a créé Shabbat avec six jours de Tzedaka, de Asiya, donc chez nous, ça doit être la même chose. C'est ça qu'il a compris Noach dans la Teva, quand il s'est préparé pour le monde d'après. C'est qu'il doit faire maintenant une scolarité qui va lui coûter l'année de ne pas dormir, de ne pas vivre convenablement, et de servir des bêtes et des animaux. Parce que les gens, ils ne savaient pas vivre entre eux, et donc ils étaient condamnés à faire quoi? À devenir les serviteurs de qui? Des bêtes et des animaux. Et au moins après, peut-être, ils vont savoir comment vivre entre eux. Regarde le Midrash, il dit, il y avait un moment chez Noach, un moment de froid. Il était touché par le froid. Il a refroidi un peu de l'idée de Chesed. À ce moment-là, il a retardé la nourriture de qui? Des lions. Et parce qu'il a retardé la nourriture des lions, il était tout de suite mordu pour lui faire un rappel qu'on n'a pas le droit d'avoir froid là-dessus. C'est des fois, on donne, il y a un moment qu'il arrive, on se dit, bon, maintenant, il faut quand même être réaliste, non?
Cet réalisme, c'est en vérité une foi, c'est pas un réalisme. Alors je vais quand même te dire parole, je vous ai dit qu'il y a une histoire incroyable dans les Benaya ou dans les Ben Ishraï sur les chesed et la tzedaka, et je vous les lire en partie au moins. Raconte d'un riche. Un riche, il avait un fils. Il a envoyé son fils à la yeshiva. Son fils, il était à la yeshiva jusqu'à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, tous les amis des sept fils-là, ils ont quitté le Beit HaMidrash, ils sont allés tous travailler. Mais lui, c'est le fils des riches, donc son père, il peut lui nourrir sans problème, il n'a pas besoin de travailler. Il a resté au Beit HaMidrash. Alors un jour, les amis qui sont allés tous travailler, il revient au Beit HaMidrash pour rendre visite aux pauvres qu'il a resté tous seul là-bas. Lui, il est maintenant le plus âgé, il y a quelques jeunes qui viennent. Et ils lui disent, jusqu'à quand tu vas t'asseoir ici sans rien faire? Le monde, il est grand, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à faire. Va voir ton père, tu lui demandes qu'il va te donner 10 000 pièces en or, et va à Kushta. Kushta, c'était à l'époque la capitale de Turquie. Et là-bas, tu vas acheter de la marchandise, tu l'emportes ici, et tu vas gagner 40 sur 100. Voilà. Ils l'ont prouvé, d'après leur... C'est bien, hein. 40 sur 100, c'est bien. Donc ils l'ont prouvé que s'il investit 10 000, il va gagner 4 000. C'est intéressant, non? Et à part ça, tu vas voir dans la grande ville des choses extraordinaires. Et nous, si on aurait eu même 1000 pièces en or, on n'était plus là, on était déjà là-bas, en train d'acheter. Toi, tu peux sans problème demander à ton père qui va te donner 10 000. Alors les fils, bien sûr, comme tous les jeunes, il écoute les amis, il va voir son père, il lui demande ce qu'ils ont conseillé de demander. Son père, il est très peiné, il lui dit « Pourquoi tu as besoin ? Pourquoi tu as besoin ? Tu es assis au Beit HaMidrash, tu es bas, Olam Haba. » Il lui dit « Non, non, Olam Haba, Olam Haba. Tu es tranquille, tu es bien, tu manques de rien. Qu'est-ce que tu cherches à voir des villes dans des pays lointains, faire des affaires ? Tu ne connais pas le monde des affaires, c'est compliqué, c'est dangereux. » Mais chez les jeunes comme les jeunes, il est têtu, il est têtu, il tombe malade, le fils. Quand son père il voit qu'il tombe malade, qu'il n'y a rien à faire, de toute façon il n'est pas au Beit HaMidrash, il se dit, si déjà, il vaut mieux qu'il fasse quelque chose de positif, de normal. Il lui a donné les 10 000 pièces en or, mais bien sûr, il ne compte pas sur lui tout seul, il envoie avec lui son adjoint, son homme de confiance qui va lui accompagner. Bon, alors ils partent en bateau, ils arrivent là-bas. Ils arrivent dans la ville. Ils arrivent dans la ville et ils laissent toutes leurs affaires dans le bateau. Ils vont aller faire une promenade comme ça pour faire une première connaissance. Les jours dans lesquels ils ont tombé dans la ville, il y a un tzaddik qui a décédé. Ok ? Alors, il y a les chamaches de la communauté qui fait les tours des riz des... quartier juif qui l'annonce qu'aujourd'hui il y a la levaya des tzadik X et il invite tout le monde à venir à la levaya. Et il se disait, c'est une mitzvah en termo. Alors si on est déjà là, pourquoi pas? Alors ils vont là-bas et à l'enterrement, il y a un groupe de gens qui marchent pas loin de cercueil et ils sont en train de maudire les tzadik. Alors il dit, les jeunes, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes en train de me dire? Alors ils ont dit, c'est tzadik, il avait des grosses ennuis financières quand il était vivant, donc ils sont empruntés de l'argent, ils sont endettés à droite et à gauche, et avant qu'il aille encore pour rendre, il est mort. Il est mort jeune, et il n'a pas pu trouver l'argent à rendre aux gens. Alors nous, on est les gens qui ont prêté de l'argent à lui, parce qu'il est tzadik, donc on lui a prêté de l'argent, et maintenant il n'a pas rendu, donc bien sûr, on est énervé. Alors, quand les jeunes, il a entendu ça, il a dit stop, arrêtez. Il a envoyé la personne qui était avec lui, il a fait les comptes de toutes les dettes, c'était 2000 pièces en or. Il s'est dit qu'il a décédé, il a laissé des dettes de 2000 pièces en or, il a donné les 2000 pièces, il lui restait 8000. Et il a tout de suite monté sur les bateaux, il a retourné chez lui. Il a dit, dans une ville pareille, qui a un tzadik, qu'il meurt, il a laissé des dettes, bon, il n'a pas fait exprès. Il n'est pas mort parce qu'il s'est suicidé. Les pauvres, ils voudraient bien payer ses dettes.
Maintenant, à la place que les gens vont dire, bon, une fois qu'il est mort, il faut abandonner, il faut être mochel, ils sont là, à son enterrement, en train de maudire la personne. Dans une ville pareille, je ne vais pas faire des affaires. Alors, il raconte qu'en vérité, la personne, il voulait faire une affaire avec cet argent, mais sa maison a brûlé, et c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire l'affaire, et c'est pour ça que l'argent était perdu. C'était vraiment pas de sa faute. Bref, il a retourné chez son père, il a raconté tout à son père. Son père, il était très content. Il a récupéré quand même les 8000 pièces. Il lui dit, alors maintenant, va au Beit HaMidrash, tu as bien vu que ce n'est pas intéressant. Suite à cela, Rabotai, les jeunes, ils reviennent au Beit HaMidrash, les amis, hein. Et il recommence à lui dire, jusqu'à quand tu restes ici, va, couche-toi, fais des affaires, on gagne 40 sur 100. Qu'est-ce que tu t'en fous si les gens ils sont des malfaiteurs, ils parlent des mal des tzadikim, d'abord c'est Minaga Olam. Et deuxièmement, quel rapport? Les affaires c'est les affaires, tzadikim c'est tzadikim, chassidim c'est chassidim, on termo. C'est quoi cette salade? Il ne faut pas mélanger les choses. Les villes dans lesquelles on fait les plus des affaires et les plus belles affaires, c'est où? C'est à Kushta. Va à Kushta, fais des affaires. Bien. Les jeunes comme les jeunes, il entend ça qu'ils lui disent, une fois, deux fois, trois fois, il revient chez son père et il lui dit, papa, je vais repartir à Kushta 10 000 pièces, vous connaissez déjà toute la procédure. Ils vont là-bas. Donc, il laisse les affaires dans le bateau, il ressort pour faire un tour. Et il voit un homme qui tire derrière lui une jeune fille et qui dit quelque chose. Il y a une annonce qui est faite. Mais il ne comprend pas parce qu'il parle turc. Alors il demande c'est quoi ça. Alors on lui dit cette jeune fille-là est une prisonnière de guerre. On est en train de la vendre. Il n'a jamais vu des choses pareilles. Une petite fille des 12 ans, quelque chose comme ça, qui est vendue dans la rue comme une ânesse. Ah, ça lui a écuré. Il a dit, qu'est-ce qu'on demande pour elle? L'autre, il lui dit, 500 pièces en or. Bon. Il dit, j'ai payé les 500 pièces en or, je ne peux pas supporter, voir comment est-ce qu'on vend une fille pareille. Ok. Il récupère la fille. Il lui reste 9500 pièces au nord. Il revient au bateau avec la fille et il repart. Il ne veut plus faire des affaires dans une ville dans laquelle on vend des êtres humains conquistés des bêtes. Et surtout que cette fille, elle avait l'air d'être très noble, très délicate. Il n'a pas compris du tout ce qui s'est passé ici. Bon. Alors, elle était amenée. Il a retourné à la maison avec la fille. La fille était une Goya, histoire de Ben Israël. Elle a vécu chez elle à la maison, va comprendre. C'est ça qu'il lui raconte, hein. Moi je suis pour rien. Elle a vécu chez elle à la maison, elle a bien aimé la religion juive, elle s'est convertie au judaïsme. Elle s'est convertie au judaïsme, elle a grandi un peu. Un jour, le père de cette fille, il dit à son fils, écoute, tu dois te marier, ton est arrivé. Et moi, je trouve que cette jeune fille, elle est très bien. Maintenant, elle est convertie, donc pourquoi pas. Comme ça, elle raconte le Ben Israël. Le fils, il dit, c'est vrai, je ne trouverai pas mieux qu'elle, mais je ne peux pas me marier avec elle tant que je sais qu'elle vit dans un état très pénible. Parce qu'en vérité, il faut se rappeler, elle était kidnappée de chez elle. Et il paraît que son père, c'est un roi. C'était une princesse. Ben Israël, moi je suis pour rien. C'était une princesse qui était kidnappée de ses parents à cause d'un état de guerre entre des pays. Et je ne peux pas me marier avec elle sans aller voir ses parents et de leur dire qu'elle est vivante. C'est cruel. C'est cruel vers elle, c'est cruel vers les parents. Bon. Son père, il dit ok. Le fils, il dit, de toute façon je ne me marie pas avec elle tant que je ne règle pas cette affaire. Tant qu'on ne va pas annoncer à ses parents qu'elle est vivante, et tant que les parents ne vont pas accepter que je vais la épouser. Je ne vais pas la kidnapper. Je ne suis pas comme les types qu'il a essayé de la vendre à Kushta. Kitsura Dvarim, ils font les voyages après qu'il a convaincu son père.
Il parle ici aux parenthèses comment le père il a fait pour qu'il n'y aura pas de problème des Ihoud. Il s'est trouvé sur les bateaux, il ne faut pas s'isoler avec une femme, donc il a envoyé avec lui 5 hommes et 5 femmes. C'est les dînes comme ça dans le Shulchan Aruch, si on est à 5, c'est bon, il n'y a pas de problème des Ihoud. Ils partent là-bas, ça durait 4 mois. Je ne sais pas pourquoi il raconte que ça durait 4 mois. C'est pour ça que je pense qu'il y a ici sur Dota Torah, parce qu'il parle beaucoup des détails. Et Miston, et chaque chose, il a une raison. Mais je n'ai pas le niveau de décoder. Bekitsour, ils ont parti 4 mois. 4 mois, au bout de 4 mois, les bateaux s'est noyé dans la mer. Les bateaux s'est noyé dans la mer. Et là, il dit quelque chose qui jésote. Et donc, les jeunes hommes et les jeunes filles se trouvent dans la mer. Et ensuite, ils voient un monsieur âgé qui arrive comme ça de l'eau. Il sort de l'eau, il les attrape et il les amène à la terre sèche. Les deux. Bon. Alors, quand ils sont arrivés à la terre sèche, ils lui disent, mais qu'est-ce qu'on te doit? Tu nous as sauvé la vie. Il a dit, je vais vous dire. Je n'ai rien du tout. Vous allez faire ce que je vous dis. Ils leur donnent maintenant un emploi de temps. Vous allez continuer là, vous arriverez à un hôtel, vous demandez là-bas l'hôtelier, l'aubergiste qui va envoyer un annonceur, parce que vous êtes déjà proche à la ville où qui se trouvent les rois, les pères de cette fille-là, les vieilles, ils savent tout ce qui se passe avec elle, ils connaissent leur historique. Et vous allez, vous serez amené par les rois dans la cour royale, là-bas vous allez vous marier. Je vais faire le mariage là-bas, célébrer le mariage là-bas. Bon, d'où il y a les raves, les témoins, tout bas, le yoder. Ça, il faut demander au consistoire, peut-être, je ne sais pas. Non, pas au consistoire. Mais Kitsour, dit les vieilles à ces gens-là, au déjeuner, et quand la soirée va se terminer, tout le monde, ils vont rentrer chez eux, vous deux, vous allez revenir ici, chez moi. Il avait une petite habitat là-bas, à côté de la mer. Ouais. Vous allez venir avec vous. Vous allez venir chez moi et vous amenez avec vous des pelles et vous allez amener avec vous aussi une natte. Soit le mariage, la nuit du mariage, ils vont amener des pelles et des nattes et une natte et ils vont venir chez lui. Ils vont revenir chez lui. Alors, il les a donné une explication tirée par les cheveux qui ne tient pas la route. En fin de compte, ils ont promis de faire comme il a demandé. Ils sont arrivés là-bas. Mariage, il vient les soirs. Ils arrivent avec les outils en question. Et il leur dit, maintenant vous allez creuser la terre ici. Ils creusent la terre. Et quand ils ont terminé à creuser, il les a montré quelle taille. Il a dit, maintenant, vous allez mettre la natte là-dedans. Ils ont mis les nattes là-dedans. Il a dit, maintenant, je vais rentrer là-dedans pour voir si c'est bien fait. Il rentre, il s'allonge. Il leur dit, écoutez, moi, je ne suis pas un homme vivant, je suis un homme mort. Je suis le tzaddik qui a décédé il y a X années à Kushta, qui, dans mon enterrement, les gens, ils m'ont maudit. Et c'est toi qui as payé les 2000 pièces d'or pour payer mes dettes. Et grâce à toi, j'ai été enterré quand même relativement dans la paix. Donc en vérité, quand tu étais presque noyé dans la mer, on m'a ressuscité Minashamaim, on m'a dit que je suis redevable vers toi, et on m'a demandé d'aller te sauver, toi, avec la fille. Et maintenant, j'ai terminé mon rôle, parce que je vous ai sauvé, j'ai payé mon dette vers toi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je m'emmerde. Donc je m'allonge ici et vous allez m'enterrer toutes les deux. Ça, vous me devez encore. Termine le Ben Israël, dit. Reuna kama plaot yesh bedavar ze. Shelodai bishchut atzdaka asher asai machasid shiyasu lo nes laatzilo min atviya. Ela naase dvar pele yoter. Sheze achasid shiyasai mo atzdaka u yichye veyakum mikivro. ויבוא דרך נס מקושטה, ויציל את זה בעל הצדקה ובעצמו מידה כנגד מידה. ולזה אמרו, אין הצדקה משתלמת, אלא כפי מילות חסדים שבה. דהיינו ששכרה יהיה מידה כנגד מידה. ובתשלומים שלה יהיו דברים מכוונים למעשה החסד שנעשה בה.
Donc c'est comme qu'il lui a fait revivre en vérité. Quand il lui a aidé à être enterré correctement, c'est comme qu'il lui a fait quoi ? Revivre. Donc il lui a re-ressuscité, on lui a re-ressuscité pour lui sauver la vie. Voilà l'histoire de Ben Israël. Donc à la prochaine, quand vous avez devant vous une occasion de faire Zdaka ou Chesed avec quelqu'un, il ne faut jamais dire ouf. Il ne faut jamais dire j'ai déjà donné combien, ça suffit. Il faut se rappeler toujours. Il faut le faire avec grand sourire. Mais Talib il dit, des mêmes qui ont compris qu'il y a un objet de mitzvah, la soukha, celui qui a marqué, qui met après soukot, il ne faut pas écraser les srach, il ne faut pas marcher avec les pieds sur les ex-srach. De même, il ne faut pas écraser les anis qui demandent la tzedaka, il ne faut pas écraser les gens qui se trouvent dans les besoins. Ce n'est pas seulement qu'il faut leur donner, mais il faut leur donner avec le respect qu'il faut, parce que les anis, il devient un objet de tzedaka. Veyiten libo vedato, rappelez-vous les rachis qu'on a vu la semaine dernière ensemble. Olam chesed ibane, yesh olam agadol shel nivne bechesed, yesh olam akatan shel kol echad shegam nivne bechesed. Adam olam katan. Chaque homme c'est un monde. Donc le monde de chacun de nous, il est créé par rapport à midat chesed qu'il a. Donc après sheshet yemei ma'aser, on arrive à Shabbat. Je suis sûr que vous avez fait beaucoup de tzedaka v'chesed dans la semaine. On mérite le repos de Shabbat pour redémarrer une semaine qui sera pleine de tzedaka et de chesed. Ou de même, Kadosh Baruch Hu fera avec nous, d'accord, Chesed.